colis. C'est avec la danse Goli, danse des génies, que nous entrons dans le département de Béoumi. Le Goli est une danse du groupe ethnique Ouan, adoptée par les Kodés. Quand le Goli apparaît, les femmes peuvent danser mais ne pas toucher au masque, au risque de s'attirer des malheurs. Un masque protège le visage de celui qui le porte. Aujourd'hui, le Goli est une danse de réjouissance. Mais notons qu'il y a plusieurs Golis. À museau long et pointu, qui est le Goli des jeunes, à visage féminin comme celui que nous voyons maintenant, et qui est le Goli des femmes. Il y a aussi le Goli à visage rond, qui est celui des vieux. Visite d'État du président de la République dans la région du Bekel. Comme si vous y étiez, du 25 au 29 novembre 2013, Radio Côte d'Ivoire et RTI 1 seront au cœur des préoccupations des populations à travers des reportages, des interviews, des émissions publiques. Toute la visite du président de la République sur Radio Côte d'Ivoire et RTI 1. Voilà, merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes toujours plongés dans l'univers des Baoulé Fafoué, mais il souffrait que juste pendant peut-être 5 à 7 minutes, nous puissions parler avec nos invités qui viennent nous annoncer leurs événements. C'est vendredi, vous savez que tous les vendredis, nous avons rendez-vous avec le docteur Zegbe Onguessan-Désiré qui est là. Je rappelle qu'il est chirurgien gynécologue, diplômé de l'Université de Paris, Paris 6e, voilà, et chercheur également en pharmacopée africaine. Et il est là aujourd'hui pour nous parler des fibromes et douleurs. Bonjour docteur. Bonjour, merci d'être là. Alors, nous vous écoutons, fibrome et douleur. Oui. Alors, les fibromes, d'abord l'utérus, est un muscle creux. Un muscle creux comme le cœur. Et comme tout muscle creux, il a pour rôle d'expulser quelque chose. Autant le cœur expulse le sang dans toutes les parties du corps, autant l'utérus est chargé de garder l'œuf, disons le fœtus jusqu'à terme, et ensuite l'expulser au moment de l'accouchement. Et comme tout muscle creux, les fibres sont en principe orientées parallèlement. Mais par un processus qu'on ne comprend pas, certaines fibres peuvent s'entortiller, s'enrouler et devenir des noyaux. Ce sont ces noyaux qu'on appelle noyaux fibromateux, ou bien myomes, ou bien fibromyomes. Alors en principe, habituellement, un fibrome n'est pas douloureux. Les fibromes passent inaperçus.
Mais il peut arriver que le fibrome devienne douloureux. C'est une maladie de la femme noire, le fibrome. Pas de la femme de teint noir, mais de la femme de race noire. La précision était bien. Oui, d'ailleurs même, il y a dans la Bible un passage qui magnifie la beauté de la femme noire. Ce passage-là se situe dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, à partir du verset 5. Les paroles disent « Je suis noire, mais je suis belle. Fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. D'accord. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi et ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais perdre tes brebis, où tu les fais reposer à midi. Car pourquoi serais-je comme une égarée pour les troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, ô toi la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais perdre tes chevreaux auprès des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare au mon ami. » Donc la femme doit être une femme qui est belle. Qui est belle. D'accord. Ok. Maintenant, c'est une femme certes qui est belle, mais les fibromes, comme vous l'avez dit, sont spécifiques à la femme noire. Tu veux que je revienne aux fibromes? Mais c'est pour ça que vous êtes là. Tu aurais dû me laisser magnifier vraiment la beauté de la femme noire. Avant de revenir aux fibromes. Okay, donc les fibromes, oui. En principe, ne sont pas douloureux. Mais lorsque, par exemple, il y a un vaisseau qui est bouché au niveau de ceux qui alimentent le fibrome, il se passe un infarctus qu'on appelle la nécrobiose aseptique et qui est douloureux. Quand ça se passe au moment de la grossesse, en médecine classique, la femme est obligée de supporter sa douleur. Mais en médecine par les plantes, il existe des plantes qui calment bien ce genre de douleur. Et ces plantes-là, vous les avez? Oui, on les a. Vous avez aussi des plantes qui font descendre entre griffes, les fibromes, sans opération chirurgicale. Et quand on opère, souvent les fibromes peuvent repousser, sauf si on utilise certaines plantes pour prévenir la récidive. Okay. Bon, les fibromes peuvent aussi devenir douloureux si on les touche. Par exemple, au cours des rapports sexuels, ça j'avertis les femmes, si vous savez que vous avez un fibrome, regardez toujours votre partenaire. Si vous voyez qu'il a un membre un peu trop long, avertissez-le. En tentation, j'ai des fibromes, il faut appuyer doucement. Parce que ça peut provoquer des douleurs. D'accord. Oui, oui. Ok. Alors, pour ces femmes-là qui aimeraient vous contacter pour ces médicaments, les numéros n'ont pas changé? Le 05, non. Le 05 960 026. 05 960 026. Oui. Et le vous 22, avez 47, 48, 51. 22, 47, 48, 51. Oui. Et puis on a aussi polythera.net. Oui. Et puis le mail. Le mail drzegoui@yahoo.fr. drzegoui@yahoo.fr. Oui. Merci docteur. Et à vendredi prochain. Oui. Cette fois-ci, toujours avec un autre verset pour magnifier la femme noire. Je n'ai pas laissé magnifier ma femme noire. C'est pas grave. C'est pas grave. Comme on a du monde aujourd'hui. À la prochaine. D'accord. Prosper Tegladza, vous êtes là, hier vous étiez des nôtres pour parler donc de cet atelier de savoir recevoir, initié par MJ Signature. Oui, effectivement, l'atelier aura lieu demain. Je rappelle, il y a les tickets qui sont en vente à l'acoustique au prix de 15 000 francs. Les tickets sont à 15 000 francs. Oui, les tickets sont à 15 000 francs. L'objectif de cette formation, de cet atelier, est de permettre aux femmes de maîtriser toutes les composantes d'un dîner, c'est-à-dire réussir son dîner dans toutes les matières, dans toutes les composantes. Et les travaux, pour ça, il faut des travaux. Les travaux préliminaires, par exemple, pour nettoyer, éclairer, et aussi la décoration, les fleurs, pour recevoir ses invités. Alors, donc, c'est un atelier qui montrera aux femmes comment recevoir leurs amis. Non, pas seulement les femmes, mais aussi les restaurateurs, les restaurateurs, les hôteliers, bien sûr. Amis et famille à la maison. Puis aussi, vous avez dit restaurateur, hôtelier. Donc, on va apprendre à nettoyer la maison, l'espace qui doit servir. Voilà.
l'espace, il y aura l'éclairage. Ce sera l'affaire de Reda Fawaz, le grand décorateur qui sera notre consultant, un éclaireur aussi. Et il y aura les senteurs de nuages d'essence qui vont venir nous montrer quels sont les différents senteurs qu'il faut mettre dans la maison. Il y aura les fleurs avec Fleur Attitude qui viendront. Ce sont des consultants qui viendront exposer, non seulement exposer, mais aussi expliquer pourquoi et comment utiliser ces senteurs ou ces fleurs à un moment bien précis. D'accord. Si vous voulez, si vous me permettez, je peux déjà donner le programme. Allez-y. Voilà, il y aura la mise en place. La mise en place, comment mettre la table, ce sera la responsabilité de MJ, Madame Marie-Joseph Coutouin, qui va présenter avec Damien comment mettre une table, le choix du décor de salon, choisir sa vaisselle selon le menu et l'occasion. Il y aura aussi l'accueil des invités. C'est tout un protocole, la présentation, l'apéritif, ça sera avec M. Aboussouan et Esprit Vignoble. Les mises en bouche, qu'on appelle communément amuse-gueule. Voilà. Le vrai nom, c'est les mises en bouche, qui sera l'affaire de Nomade. Une dame vraiment qui connaît les délices et qui connaît comment permettre à ce que tout le monde soit déjà dans le bain du repas. Ensuite, nous allons passer à table. Voilà. Il y aura l'installation des invités, il y aura le service des boissons, l'entrée, le plat chaud et le dessert. Ensuite, le digestif, le café et pour clôturer, le départ des invités. D'accord. Voilà. Donc on apprendra tout ceci. Oui, on...